résumé de l'étape numéro 3 entre Bessèges et Bessèges, avec un temps couvert, départ fictif donné à 12h35 et départ réel donné à 12h37 après 1,5 km de départ fictif. Une étape remplie d'attaques, d'abandon et de crevaison sur l'avant-dernière étape avant le contre-la-montre d'Alès. Au total, c'est pas moins de 4 abandons. Boualem Belmokhtar, Mohamed Bouzidi, Tom Devrient et Danilo Celano. Un seul vainqueur à retenir, c'est Marc Sarro qui s'impose au sprint final à Bessèges. Le coureur avait remporté l'année dernière l'étape à Bessèges. Et demain, ce sera le contre-la-montre à Alès, bien entendu. Le contre-la-montre de Alès qui fera 10 km. 10 km, 10 km 700. Alès, site de l'Ermitage. Voilà pour le résultat de cette troisième étape. Je vous dis à demain pour la suite avec les résultats, avec le résultat du contre-la-montre d'Alès. Ciao tout le monde.